Nous avons écouté le Premier ministre dire aux autorités de la police, vous n'avez pas le droit, on va faire des enquêtes, il faut identifier, contrôler vos équipes. Mais là, je suis entièrement d'accord avec le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, dans les manifestations, d'autoriser des gens à aller avec des armes. Le Guinée n'a pas le droit de mourir dans une manifestation. Quand vous avez envie, d'encadrer la manifestation, vous partez avec des armes conventionnelles. Dans tous les pays au monde, il y a des manifestations. Vous avez vu hein, dans certains pays où tu as le droit de prendre une arme à feu et venir dans une manifestation. S'il y a des morts, après tu dis que tu ne sais pas. Ceux qui doivent sortir pour venir dans les manifestations doivent être contrôlés. On doit pouvoir les identifier. On doit savoir qui est qui. J'ai vu la femme de Taouya, une douanière, dont l'enfant a été tué, abattu. J'ai vu sa tête. La crâne s'est vidée, le contenu de sa tête à cause de la balle. C'est insoutenable. Cette femme qui a perdu son enfant, je ne sais même pas, il a quel âge, 15 ans, quelque chose comme ça, 14 ans, une douanière. Quand vous avez envie de venir dans les manifestations, bon sang, laissez vos armes, laissez les balles là-bas, prenez les armes conventionnelles. Vous avez le droit de jeter l'eau chaude, vous avez le droit de prendre des matraques, vous avez le droit de jeter des gaz lacrymogènes. Vous n'avez pas le droit, comme si vous étiez en guerre, comme si c'était des animaux qui étaient en train de manifester, comme si ce n'était pas des Guinéens, comme si ce n'était pas vos enfants, comme si ce n'était pas vos frères. Il faut que ça s'arrête. La Guinée n'est pas le seul pays au monde. Sortez-moi un seul pays en Afrique ici, où il y a une manifestation, où on peut prendre des armes, aller tirer sur des êtres humains, comme si c'était des animaux. Ça, c'est inacceptable. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ce qui s'est passé à Taouya, ceux qui sont responsables de ça, ceux qui ont tué à Taouya, qui ont rendu cette femme, cette pauvre femme douanière, il faut qu'on les identifie. Il faut qu'on les sanctionne. Il faut que le ministre de la Sécurité informe le directeur national de la police que nous sommes des Guinéens, nous ne sommes pas des animaux, que quand il y a une manifestation, on n'a pas le droit de prendre des armes contre les citoyens guinéens. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le Premier ministre s'est engagé, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Pour ça, il peut compter sur notre soutien. Il faut qu'on identifie plus jamais que dans une manifestation qu'on tue quelqu'un.